Bonjour, bienvenue pour cette table ronde consacrée à l'économie circulaire. Et une vraie question, hein, comment produire et consommer en préservant nos ressources? Bon, déjà, il faudrait peut-être consommer moins. Et je pense que je m'adresse à tout le monde, à ceux qui sont à la tête de grandes entreprises, mais aussi à tous les particuliers que nous sommes. Déjà, commencer par là, ça serait une bonne chose. Et un sublime plateau. Alors, c'est la dernière table ronde de ce forum transition. Donc, je sais que tout le monde dans la salle est un peu fatigué, hein, parce que vous avez accumuler tellement d'informations intéressantes. Donc nous, on est là pour vous réveiller, pour avoir une table ronde très punchy et qui va vous inspirer, en tout cas, je l'espère. Et je vais vous faire la présentation de tous ceux qui sont à côté de moi, à commencer par Claire Bottineau. Bonjour. Bonjour, Laura. La seule femme, hélas, mais ce n'était pas prévu comme ça, on va en parler après. Vous êtes directrice RSE du groupe Elis. Tout à fait. Tout le monde connaît Elis, en tout cas, ceux qui ne pense ne pas connaître Elis, on va vous prouver que vous avez déjà utilisé Elis. Franck Gana, bonjour, vous êtes cofondateur de Reset. Oui, bonjour, enchanté. Et vous deviez être non une femme, mais ça devait être votre cofondatrice, ce qui nous aurait permis de respecter la parité, donc qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Exactement, et elle s'en excuse, et c'est bien dommage parce qu'effectivement, un peu plus de parité, ça aurait été le bienvenu sur ce sujet. On va vous voir comme une femme, c'est pas grave pendant cette table ronde. Dominique Chicli, bonjour, vous êtes présidente de Terrega. Oui, bonjour à tous. Ensuite, j'ai Frédéric Flippot, pardon, donc cofondateur d'Evergas, dont on a parlé longuement pendant ce forum transition. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêts à réveiller un peu tous ceux qui nous regardent, j'espère? On va vous voyez, j'ai mis du vert, moi je me suis assortie au forum pour qu'on donne un peu d'énergie et qu'on incite à faire encore plus de progrès. Tout à fait, c'est les couleurs d'Evergas, donc ça tombe bien. Oui, vous voyez, c'était un hommage. Et enfin, Philippe Mangeau, bonjour. Philippe Mangeard, le local Mangeard, de l'étape. Mangeard, j'ai dit Mangeau. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, pardon. Donc je tiens à signaler que je suis le local de l'étape, je suis niçois et j'habite Nice. Ça c'est important. Hein. Content d'être là. Ben oui. Parce qu'on sait qu'être niçois, c'est une identité. Hein. Voilà. C'est presque une nationalité. Ah, c'est une fierté d'abord. Oui. Donc, je dirige une agence de notation de l'empreinte environnementale. Qui s'appelle le Global Climate Initiative. Donc, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas en fait, les entreprises que vous dirigez et que vous défendez aujourd'hui, je pense que c'est bien de faire un petit tour de table. Claire, qu'est-ce que c'est qu'Elis? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi tout le monde connaît Elis aujourd'hui ici? Alors effectivement, tout le monde connaît Elis sans le connaître. Donc déjà, Elis, c'est un groupe de 45 000 salariés dans le monde, 440 sites, 28 pays. Et effectivement, thème du jour, économie circulaire. En fait, on fait de l'économie circulaire depuis presque 75 ans. Donc un petit peu d'historique en la matière. On le fait, et c'est là que vous allez reconnaître, dans des applications pour le textile. Donc notamment tout ce qui est linge, nappe, drap, couette pour l'hôtel, mais aussi pour les hôpitaux, le vêtement de travail. À la fois pour notre boucher, notre charcutier préféré, mais aussi les grands groupes industriels, et bien sûr les appareils sanitaires, donc la bobine pour vous essuyer les mains. Le fameux torchon qu'on déroule, exactement, qui parfois, hélas, n'existe plus parce que tout le monde l'a utilisé avant nous et qu'il n'a pas été rechargé assez vite. Mais là, maintenant, ça ne sera plus le cas. Vous nous expliquerez pourquoi. Ah oui, tout à fait. Dans les innovations, on a effectivement prévu des petites réserves, ce qui fait qu'on ne tombe plus en rade. Quand vous êtes arrivé au bout, il y a une autre bobine qui se met en marche directement. Et est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit état des lieux de votre action par rapport à l'économie circulaire que vous faites depuis de nombreuses années maintenant? Alors, tout à fait. Donc, Elis, le business model, on vend vraiment l'usage du produit plutôt que le produit lui-même. Donc, c'est nos textiles, c'est nos produits, c'est nos appareils qu'on met à disposition de nos clients. On va donc les mutualiser, les partager, les entretenir aussi. C'est nous qui les lavons quand on parle de textile, mais c'est aussi nous qui les réparons quand on parle du textile toujours, mais aussi des appareils sanitaires. En région Île-de-France, on a un atelier où tous les appareils sanitaires, toutes les machines à café, toutes les bonbonnes d'eau arrivent, on les désosse et on les remet à neuf complètement. Et j'ai une petite question. Quand vous parlez de lavage, puisque vous relavez tous ces textiles, oui. Mais ça, c'est beaucoup de consommation d'eau et d'énergie. Est-ce que vous avez progressé ces dernières années par rapport à cette consommation?
Ah oui, 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 tout à fait. Ça fait partie de nos objectifs en termes d'émissions de CO2. On vise de réduire de moins 20% en intensité et on est déjà à près de 10%. Sur les énergies thermiques, on vise 35%, on est déjà à 18%. Et sur l'eau, alors là, on vise 50%, on vise de réduire de moitié. Et là, on est à 36%. Donc, c'est continuellement de l'innovation dans nos processus pour pouvoir réduire. Et on ne fait pas ça tout seul parce que sinon, on n'aurait pas des solutions. Time to cooperate, c'est aussi avec les fournisseurs qu'on arrive à relever le challenge. Oui, on va le prouver d'ailleurs. Je donne la parole à Dominique Chicli pour que vous nous présentiez le Terrega. Pardon ? J'ai dit, non mais vous savez, sur ma fiche, j'ai erroné votre nom. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Non, non. Dominique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Terrega pour ceux qui ne connaissent pas Terrega ? Oui, alors, d'abord, je vais vous projeter dans une transition que vous ne voyez peut-être pas. Terrega, c'est une société d'infrastructure gazière, c'est-à-dire qu'on transporte et on stocke du gaz. Historiquement, on s'est appelé à la création de l'entreprise Gaz du Sud-Ouest. C'est-à-dire en fait, on prenait le gaz qui était extrait, soit du gaz de l'Axe, soit de Saint-Marcet, etc., puis on le transportait sur les zones de consommation. Et alors pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? On est là aujourd'hui sur cette table ronde parce que en fait, ce marché il est en train de changer de façon très importante. Jusqu'à présent, on avait quelques grands clients qui envoyait du gaz, c'était pour l'essentiel du gaz naturel, donc du gaz extrait et qui était consommé, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, le gaz va se verdir, et en se verdissant, en fait, il se territorialise. Donc, on a changé de nom aussi, je vais vous dire comment ça se territorialise, on est passé de Gaz du Sud-Ouest à TIGF, et puis maintenant, on s'appelle Terrega. Terrega, c'est territoire réseau gaz, parce que les challenges sont maintenant dans les territoires. Comment récupérer du gaz qui est fabriqué à partir du recyclage des déchets, pour l'injecter dans des réseaux. Alors pourquoi l'injecter dans des réseaux ? Parce que ça continue d'alimenter des consommations industrielles ou domestiques, sauf que c'est du gaz vert. Et puis surtout, c'est des infrastructures qui permettent de stocker. Donc on a là une énergie renouvelable qui est produite localement et qui en plus est stockée, c'est-à-dire qu'on peut assurer la continuité d'approvisionnement, quelles que soient les conditions météo, etc. Alors c'est quoi un gaz vert ? Les gaz verts, il y a les biométhanes produits à partir de déchets, on va en parler tout à l'heure, ça peut être du déchet agricole ou autre, mais ça peut être aussi de l'hydrogène demain. Comment est-ce qu'on produit de l'hydrogène à partir de déchets ? Il y a des procédés qui s'appellent la pyrogazéification. En fait, vous faites chauffer du bois et ce bois produit de l'hydrogène. Et puis vous aurez aussi les CO2, le CO2 traditionnel qu'on récupère et qu'on peut ensuite recycler en le mélangeant avec de l'hydrogène pour refabriquer du méthane. Donc tous ces gaz, et c'est ça ce qu'on va transporter dans nos infrastructures demain, ce sont des gaz qui, pour l'essentiel, sont produits localement. Donc là, la grande révolution des infrastructures gazières, c'est de continuer d'assurer les grands transits de gaz dont on a besoin dans les différents points d'Europe, mais aussi de canaliser toutes les énergies produites localement dans les territoires. Et donc vous travaillez main dans la main justement avec Frédéric Flipeau, puisque vous ne recyclez pas à proprement parler, vous allez stocker et transporter cette matière qui a été recyclée avant. Exactement, on est un logisticien. Voilà. Et Frédéric, vous, en quoi consiste Evergaz ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes justement, vous avez besoin l'un de l'autre et vous allez nous expliquer pourquoi, on l'a dit, c'est important de travailler main dans la main. Alors effectivement, nous on a la chance d'avoir des opérateurs comme Terrega qui font le lien entre le producteur et le consommateur de gaz. Et on est un producteur de gaz vert, et donc on a besoin de cette infrastructure qui est essentielle, et en transportant via des tuyaux qui existent, donc en réutilisant un réseau qui existe depuis des dizaines d'années, on évite d'avoir du transport routier de gaz, et donc cette énergie est distribuée de manière très efficiente. Et nous, notre métier aujourd'hui, on exploite déjà 14 centrales de production de biogaz en Europe, on exploite en France, en Belgique et en Allemagne. Et notre rôle, c'est de se mettre dans les territoires. On dit qu'on fait de la méthanisation territoriale parce que quand on arrive sur un territoire, on cherche à traiter l'ensemble des problématiques de déchets organiques. Alors on parle de déchets, mais nous, en fait, tout ce qui rentre ressort sous forme d'engrais. Et avant que ça sorte sous forme d'engrais, on a digéré pendant 60 jours la matière. Alors, c'est du fumier, c'est du lisier, c'est les... tout finalement ce qui est dérivé de l'alimentation humaine, puisque du fumier, c'est ce qui aura permis aussi d'extraire du lait, de la viande. Et en fait, on est capable de retraiter 1200 déchets différents par fermentation avec des bactéries. Donc c'est une fermentation comme pour produire du fromage ou du vin. Nous, on produit du gaz et de l'engrais qui retourne au sol en remplacement des engrais chimiques sur les champs des agriculteurs et qui permet d'avoir
un circuit d'économie circulaire. On en parlait tout à l'heure quand on préparait le rendez-vous. Si vous avez une usine qui fait des plats préparés, elle va utiliser du gaz pour cuire ce plat préparé, elle va le congeler, vous allez l'acheter, le consommer par exemple dans un restaurant, et le surplus partira en méthanisation, produira du gaz qui retournera à l'usine, et puis de l'engrais qui retournera dans le début de la chaîne alimentaire. Evergaz est né il y a combien de temps maintenant ? En 2008. En 2008, on voit les progrès qui sont faits en très peu d'années. Je posais la question pour Élise en disant quels sont les progrès en termes d'économie d'énergie et de consommation d'eau. Vous, est-ce qu'on peut avoir une idée de la croissance du nombre justement de production de gaz depuis 12 ans de ce biogaz ? Alors, il y a 12 ans, on s'est associé avec des producteurs de porc dans le Morbihan qui avaient une problématique pour réduire notamment les marées vertes, de traiter leur lisier. Donc ça, c'était la première unité qui faisait 15 000 tonnes. Et aujourd'hui, on traite 600 000 tonnes de déchets organiques en Europe. C'est énorme. Est-ce que ça veut dire aussi que comme on consomme beaucoup plus, vous avez encore plus à traiter ? Vous ne manquez pas de déchets, je suppose, à traiter par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début de ce transition forum ? Alors non, je vais vous rassurer. Nous, le moteur, ce n'est pas la surconsommation et le gaspillage. C'est la transition de la destruction en incinération ou de l'enfouissement au recyclage de la matière organique. En 2023, l'ensemble des communes de France devront avoir une collecte séparative des biodéchets des ménages. Donc c'est nous tous, on aura une nouvelle poubelle dans notre environnement pour que les matières organiques ne soient plus perdues en étant incinérées ou brûlées, et ça, je pense, ou enfouies dans les décharges. Et ça, je pense que tout le monde le comprend bien, puisque beaucoup d'entre vous dans la pièce, on en a parlé, font du compostage. Et donc le compostage, c'est récupérer une matière organique, les épluchures de carottes qu'on n'a pas mangées, pour faire de l'engrais et pour fertiliser son jardin. Ben nous, on le fait à grande échelle pour fertiliser notre environnement, les champs, ou même revégétaliser les espaces verts en ville en remettant l'humus, et donc ce qui améliore la performance des plantes. Merci beaucoup. On va revenir vers vous ensuite. Franck Gana, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que Reset ? Alors Reset, c'est une société de services assez jeune, puisqu'elle a été créée il y a 2 ans et demi. Et c'est une société de service d'un nouveau genre dans la transformation environnementale, puisque on est vraiment orienté sur l'action. Parce que dans la transformation environnementale, souvent on lit des livres blancs, on lit ce qu'il faudrait faire ou ce qu'on s'engage à faire. Mais il y a un moment où il faut bien que les gens, après leur engagement, tiennent leurs promesses. Et ben nous, on aide les gens à définir là où ils doivent aller, donc faire des promesses, et ensuite on les aide à les tenir. Et comment on les aide à les tenir ? Eh bien, c'est en les aidant à designer des nouveaux produits, à redéfinir leurs process, de manière, un, évidemment, être plus vertueux sur le plan environnemental, et deux, plus compétitif sur le plan économique, parce qu'on ne peut pas opposer les deux. On n'arrivera pas à avoir des changements à cette échelle, à l'échelle qu'on désire pour le changement climatique, sans avoir de la performance économique, parce que sinon, les consommateurs ne pourront pas accéder à ces services. Donc, c'est notre travail, et on le fait avec des grands industriels français, avec des PME, des ETI. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets ? Alors, qui sont vos clients ? Alors, on le fait dans plein de domaines. On le fait dans l'emballage alimentaire, dans l'emballage de la cosmétique, on le fait dans le meuble, on le fait dans le textile. Et souvent, on le fait, et c'est pour ça qu'on adore le titre cette année du Transition Forum, on le fait avec des consortiums. Parce que comme on l'a vu là dans le gaz, ou comme vous l'avez expliqué avec Alice, en fait, pour résoudre ces problèmes, il faut que les entreprises collaborent. Il faut monter des filières, il faut monter des écosystèmes. Et donc, la plupart du temps, on travaille, et on est assez fiers de ça. On a réussi à faire travailler 2 grands distributeurs français, Carrefour et U, avec leurs fournisseurs. Souvent, on dit que les distributeurs sont très durs dans leur relation avec leurs fournisseurs. Et ben, nous, on a réussi à les faire travailler sur des projets à long terme, de R&D, où ils vont collaborer pour designer des produits qui seront plus facilement recyclables, qui émettent moins d'empreintes carbone. Je pense qu'on en reparlera après sur la notation. Et donc, on va les aider ensuite à les collecter, à les laver. Il y a peut-être des projets à faire avec Alice, puisqu'on parle beaucoup d'emballages réutilisables. Donc tout ça, c'est des choses très concrètes. C'est vous qui les démarchez ou c'est eux qui viennent vers vous ? Ah, c'est, ça dépend. Alors, au début, comme on était pas connus, on les démarchait. Parfois, c'est des gens qui acceptent de collaborer, qui se sont déjà regroupés. On travaille par exemple pour le Fashion Pact, qui regroupe 40% des parts de marché de la mode avec des groupes internationaux, à l'initiative d'Emmanuel Macron et de François-Henri Pinault. Et là, c'est eux qui sont venus nous chercher. Et à contrario, on est en train de monter un consortium dans AgriTech, FoodTech avec des coopératives, c'est nous qui sommes allés les chercher. Carrefour et U, c'est nous qui sommes allés les chercher. Et ensuite, ils ont été chercher leurs fournisseurs. Donc,
Ça dépend. Et enfin, finalement, peu importe qui démarre cette initiative, l'important, c'est un, que toutes les énergies s'alignent pour pouvoir y aller. Et surtout, quand on parle d'énergie, il faut que cette énergie elle soit consistante dans le temps. Cette transition, moi j'ai un certain âge. Quand j'étais jeune, pas tant que ça, mais quand j'étais jeune, on parlait de développement durable, ensuite on a parlé de transformation de l'énergie, et finalement tout ce momentum qu'il y a aujourd'hui autour de cette transformation, il ne faut pas qu'il retombe, parce que s'il retombe trop vite et qu'on n'ait rien fait, eh ben, on aura à nouveau perdu 20 ans, et là pour le coup ce sera vraiment 20 ans de trop. Merci, donc on parlait de notation, on va voir ça avec vous Philippe Angeard. Vous êtes, est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisqu'en plus ça a 10 ans, vous avez fêté les 10 ans du Global Climate Initiative, est-ce que vous pouvez nous expliquer au départ pourquoi vous l'aviez fondé, puisque ça a changé depuis? Oui, ça a changé, ça a évolué. Bon, l'idée de départ est toujours bonne aujourd'hui, c'était de permettre à tout à chacun, collectivités, entreprises petites, TPE, PME, grands groupes, de se mesurer sur son empreinte environnementale et sociétale. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'environnemental, c'est-à-dire le gaz à effet de serre. L'idée que nous avons, c'est que si chacun ne prend pas sa part, on n'y arrivera pas. Christian Estrosi, ce matin, disait, nous, on s'engage, la métropole, etc., on n'y arrivera que si les commerçants, les artisans, tout le monde. Donc on a inventé un système qui permet à chacun, quelle que soit sa taille, quel que soit son budget, de faire son bilan gaz à effet de serre. Pas simplement pour le faire et dire 4 tonnes, 400 tonnes, 4000 tonnes. On a des clients totalement différents. On a des clients comme Bouygues, des groupes Derichebourg, on a des TPE. On a gagné les appels d'offres de tous les grands prix automobiles du monde, c'est-à-dire la FIA nous donne tous les rallyes, tous les grands prix. Là, il y a du boulot quand même. Là, il y a du boulot. Le Tour de France nous fait confiance, Paris-Dakar nous fait confiance. On fait les grands événements du BNF, on fait aussi des toutes petites entreprises, il y en a quelques-unes dans le coin. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est mettre à disposition cet outil qui est entièrement digital, pour que les gens trouvent tout seuls, ils n'ont pas besoin de consultants, ils n'ont pas besoin de délai, les pistes de progrès. C'est une certaine logique. On va dire que 80% des pistes doivent être trouvées globalement par l'ordinateur. Et puis pour les 20% qui sont toujours les plus durs à atteindre, on travaille avec des gens comme lui, comme plein de consultants, d'experts, qui vont pousser des vraies solutions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans les entreprises. Alors quelques exemples pour le gaz. On a deux amis du gaz là. Donc on a une division. Est-ce que ce sont vos clients ? Et ce sont des fournisseurs de cette magnifique économie circulaire dont on parle aujourd'hui. Parce que l'économie circulaire, pourquoi je suis là alors que je parle que de mesure du gaz à effet de serre ? Parce que la mesure du gaz à effet de serre, c'est le seul élément tangible de mesure de la réussite ou non d'une économie circulaire. Parce que récupérer quelque chose qui coûterait plus cher en termes énergétiques et CO2, ça pourrait s'appeler circulaire, mais c'est pas bon. D'accord ? Donc on mesure. Avec monsieur, j'ai du gaz pour les camions. Donc on mesure Carrefour, par exemple, Unilever. Heureusement que ce monsieur nous fournit du gaz, parce que ça nous permet de diminuer considérablement l'empreinte CO2 de Carrefour, de Casino. Bon, je ne fais pas de publicité pour l'un pour l'autre, ou pour Unilever. Monsieur, lui, grâce à lui, on a de la réserve permanente d'énergie verte, parce que l'éolienne, le panneau photovoltaïque, il faut qu'il y ait du vent, il faut qu'il y ait du soleil, alors que le gaz ne part pas, contrairement à ce qu'on dit. Hein. Et puis, avec Élise, troisième sujet, c'est un industriel, un prestataire de service. Donc aujourd'hui, il a besoin d'un tiers de confiance qui va effectivement mesurer que son processus d'eau, son processus d'énergie, son processus de produits chimiques est bien compatible avec la trajectoire que Claire a annoncée de moins 15, moins 20, moins 35% de CO2 à horizon 2030, etc., etc. Et puis, notre ami ici, là-bas, on a discuté 5 minutes, ça y est, on a fait une affaire. Il arrive, il me dit qu'il a trouvé au bout du monde quelqu'un qui peut faire du jet fuel. À prix on va en reparler ensemble. À bon prix. Et il se trouve que moi, la semaine dernière, j'ai reçu une commande de Airbus pour étudier sur les 10 prochaines années la trajectoire carbone des nouveaux avions. Et ces nouveaux avions ne seront pas du tout, comme l'a dit Madame de KLM ce matin, des avions électriques. Ce seront des avions à biofuel, kérosène. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible de promettre qu'aujourd'hui, dans 10 ans, les avions seront électriques ou dans 15 ans. On y sera peut-être en 2045. Par contre, l'urgence, c'est lui qui va répondre à l'urgence, il va nous donner du biofuel, du biokérosène, à pas cher. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est la bonne découverte de ce jour, c'est que moi, je ne sais pas faire du biokérosène à moins de 3 fois le prix du kérosène. Et lui, il me dit, non, tranquille, je sais faire du biokérosène pas cher. Vous voyez, donc, quel que soit l'interlocuteur de l'économie circulaire autour de cette table, il y en a d'autres, on travaille avec tous les grands groupes mondiaux, parce que je dis que j'étais niçois, mais la boîte, elle est présente dans 22 pays quand même. Donc, on est là dans la mesure et le tiers de confiance. Amazon nous fait confiance. On est le seul petit européen sur lequel on adonne donc notre informatique. Donc, vous mesurez Amazon. Je mesure chaque colis d'Amazon. Et est-ce que vous les faites progresser ? C'est surtout ça. Heureusement. Alors, je ne voudrais pas faire de la pub pour Amazon, mais quand même, c'est le seul e-commerçant qui nous a commandé une étude pour déterminer sérieusement tous les points chauds de la chaîne de livraison.
C'est-à-dire qu'un colis, vous savez, il fait 5 ou 6 étapes. Chaque étape est porteur surtout de son poids carbone. Vous savez que sur Amazon, vous pouvez en commander un par jour. Et que, bon, même s'ils vous proposent de regrouper vos achats, c'est quand même extrêmement polluant. Oui, exactement. Mais n'empêche que... C'est pas comme ça qu'on va consommer moins quand même. Hein. D'accord, mais par rapport à d'autres e-commerçants, ils font des efforts pour déterminer les points chauds, puisque je fais des études là-dessus. Mais je ne dis pas que c'est bien l'e-commerce. Ah non, mais je dans cette direction-là, je pense tout le monde ici. Je dis simplement, comme l'idée, c'est évidemment de produire et consommer sans faire en sorte que. Et puis en préservant nos ressources, c'est vrai qu'on dit déjà qu'il faut moins consommer. Et qu'Amazon, il y a une tentation que tout le monde a. Je pense que tout le monde ici a déjà utilisé au moins une fois Amazon. Et c'est cette tentation de commander et donc de consommer peut-être trop. Donc c'est vrai. Mais ça j'abonde. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais on va reparler justement d'Airbus, qui est un de vos clients. Franck, pour que vous nous expliquiez comment vous innovez et qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment, surtout que pour clôturer ce magnifique forum, il va y avoir un vol avec du biokérosène. Vous m'avez dit que ce n'est pas tout à fait le même, c'est très précis, très pointu. Oui, alors le biojet fuel, c'est quelque chose d'assez nouveau finalement, c'est que depuis le début des années 2010, je crois que le premier vol de test quasi commercial, c'est 2011 ou 2012. Et donc, c'est une industrie qui progresse. En fait, ça fait 100 ans qu'on utilise du pétrole et on demande aux technologies alternatives d'être prêtes en moins de 5 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les premiers biojet fuel, ils étaient en compétition avec les cultures vivrières. On faisait ça, par exemple, avec du maïs et ça pose plein de problèmes. Des problèmes sur l'agriculture, problèmes d'érosion des sols, problèmes de l'eau, etc. Et donc, dans l'économie circulaire et même dans l'environnement, il n'y a pas qu'une contrainte de carbone. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a des nouvelles technologies. Et on a découvert une technologie américaine qu'on essaye d'implanter dans la région aujourd'hui pour faire du biojet fuel ou du fuel pour maritime, qui permet de produire du biojet fuel au coût du jet fuel pétro-sourcé, ce qui est aujourd'hui la vraie raison pour laquelle les avionneurs ne tournent pas au biojet fuel. Et en plus, qui est capable de produire ce biojet fuel avec des cultures qui ne sont pas en compétition avec les cultures vivrières. Donc en fait, on résout trois choses en même temps. La compétition avec les cultures vivrières, l'empreinte carbone et le coût. Et finalement, c'est en réussissant à faire rentrer justement ces ronds dans des carrés avec des technologies qui sont exceptionnelles, sans dire que la technologie va tout régler. Il faudra aussi consommer mieux, peut-être moins, etc. Mais en tout cas, la technologie peut nous permettre des avancées significatives. Et ça, c'est un exemple très concret. Et on espère, puisqu'on est en discussion avec plusieurs élus ici et avec aussi plusieurs ministres, pour réussir à faire venir cette technologie en France pour que l'économie française soit la première à déployer cette technologie et que les industriels français soient les premiers à pouvoir en bénéficier. Vous m'avez dit que non, pour un vol, c'était maximum 50% de... Alors, aujourd'hui, la réglementation sur le jet fuel, c'est qu'on va prendre du fuel biosourcé, on va le mélanger à du fuel pétro-sourcé. Et jusqu'à maintenant, la réglementation, c'est qu'on ne peut mettre que 50% de fuel biosourcé dans ce jet fuel. Je crois que le vol de ce soir, c'est 30%. Et est-ce que vous, quelle est à votre avis la durée pour arriver au 100%? Est-ce qu'on va y arriver rapidement? Alors justement, l'intéressant sur ces technologies, et c'est toujours intéressant dans la transition environnementale, de choisir des technologies qui peuvent être utilisées sans qu'on ait à changer beaucoup de choses dans la chaîne de production des industriels, parce que évidemment, sinon ça pose pas mal de problèmes. Aujourd'hui, ce qui pose problème pour mettre plus de biojet fuel, c'est pas tant la technologie, c'est que tous les tests de sécurité, parce que personne n'a envie que l'avion s'arrête au milieu de son voyage. Et donc du coup, c'est tous les tests de sécurité. Donc il y a quelques années, c'était 30%. Ils ont monté à 50% puisqu'ils ont avancé dans les tests. On a plus d'expérience en fait sur tous les vols qui ont été réalisés. Mais technologiquement et techniquement, il n'y a aucune raison pour qu'on n'arrive pas très rapidement à 100%. C'est juste qu'il y a une réglementation aérienne, et heureusement qu'elle est là, qui garantit notre sécurité quand on est en l'air. On parlait, la table ronde qui nous précédait parlait de désinnovation, mais là je pense que tout le monde s'accorde à dire que l'innovation va dans le bon sens, en tout cas pour cette économie circulaire. En termes de stockage de gaz et de transport, quels sont dans les années à venir les progrès, l'innovation que vous allez apporter? Ben, tout à l'heure, j'ai dit, en fait, il n'y aura pas un gaz, il y aura plusieurs gaz. Et ces gaz, en fait, ils vont servir de stockage la plupart du temps aux énergies électriques dont on va avoir besoin. Donc pour nous, le cœur de l'innovation, c'est autour de ce qu'on appelle les systèmes multi-énergie. C'est comment on fait dialoguer ensemble des systèmes qui, demain, ont vocation à vous amener l'électricité dont vous avez besoin et décarboner. Et pour faire ça, il se trouve qu'en plus, ces gaz ou ces intermédiaires seront produits localement. Donc pour ça, il y a un premier challenge qui est un challenge digital
Alors c'est assez facile à faire, simplement il faut le faire, il faut créer des places de marché locales, parce qu'on va échanger des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'échanger. Et ça, c'est sur la base des technologies qu'on a aujourd'hui. Donc nous, on a commencé à produire ce genre de marketplace, et ces marketplaces, le challenge après, c'est un problème de compétence, c'est-à-dire où est-ce que vous allez chercher les gens qui vous permettent de faire tout ça. Donc on s'est aussi associé dans notre écosystème avec des instituts de formation, et on a fait une Cloud Academy. Cette Cloud Academy, parce que tout ça, ça doit être accessible, et pour que ce soit le plus simplement accessible, il faut que ce soit traité dans le cloud, il faut trouver des outils intelligents pour faire ça. Donc on fait ça avec notre écosystème. Le deuxième, c'est qu'il faut des premiers démonstrateurs qui montrent que ce que l'on propose, c'est faisable et ça amène de la valeur, c'est-à-dire qu'il y a une valeur d'usage. Et cette valeur d'usage, elle repose essentiellement sur le fait qu'on va consommer moins ou qu'on va utiliser tous les déchets, tous les process quand ces process ne sont pas parfaits. Donc vous avez de la chaleur, mais vous récupérez la chaleur, vous l'injectez dans les réseaux de chaleur ou vous l'utilisez pour faire une énergie. Voilà. Donc on est dans cette logique-là qui est vraiment une logique d'intégration, du coup un petit peu de complexité dans les systèmes, mais sans ça, en fait, on n'aura pas, on ne rendra pas le service qui est attendu de nous. Donc voilà, c'est du système, c'est de l'intégration. Et puis après, ce qu'on essaie de faire, mais c'est la même chose que sur les biocarburants pour l'aviation, c'est de trouver des technologies qui sont des technologies qui fassent baisser rapidement les coûts. Vous allez dire, l'infrastructeur, il a le droit d'investir dans des sociétés qui développent des technologies, qui sont des technologies qui sont prometteuses pour demain. Donc on l'a fait, on a investi dernièrement chez Hydrogène de France sur la partie production d'hydrogène et production d'électricité à base d'hydrogène. On a investi dans une société qui s'appelle Dualmeta qui fait des process de fabrication de biogaz qu'on considère comme étant intéressant en termes de simplicité parce que demain ça va coûter moins cher. Puis on le fait chez nous. On réduit nos coûts, parce qu'à chaque fois où on arrive à réduire les coûts de raccordement à nos réseaux, eh bien ça permet à des sociétés comme Evergreen de venir se connecter plus facilement et de développer leurs projets. Un petit mot, Frédéric, vous, mais très rapidement, parce que l'avion doit partir à l'heure et qu'on a pris quelques minutes de retard pendant cette journée. Comment vous innovez dans les prochaines années? Est-ce que c'est des matériaux différents, des déchets différents? Comment c'est plus de déchets, plus vite, mieux? Alors nous, on va faire deux choses. On va améliorer la qualité de l'air en déployant un réseau de... Là, on en a déjà 5 en fonctionnement et 30 en projet de stations GNV. Et c'est-à-dire qu'on va basculer du diesel vers le gaz naturel véhicule, le biométhane. Ça va permettre de réduire les particules de 95% et les émissions de dioxyde d'azote de 80% et de 20% de CO2. Donc ça, c'est pas... biogaz contre hydrogène, c'est deux filières différentes avec des usages différents, mais la grande distribution que citait monsieur pousse énormément. Et puis, juste une réflexion qui nous a été faite. On a récemment, avec Transition Evergreen, acquis 10 unités de méthanisation en Allemagne. Et le bureau d'études qui nous a aidé dans les audits m'a dit, mais vous savez, monsieur Flipeau, en Allemagne, il faut les mêmes autorisations sur un site pour produire de l'hydrogène que du biogaz. Et aujourd'hui, les confrères allemands de monsieur Mokli et de Terega réfléchissent à construire à côté du réseau de gaz, de transport, qui est aussi développé qu'en France, un réseau dédié à l'hydrogène. Et donc, nous, on va s'insérer dans ces filières-là, à la fois en produisant du biogaz, en continuant à produire du biogaz pour traiter des déchets, mais aussi l'hydrogène. Moi, je compte sur vous pour faire un petit état des lieux l'année prochaine au même endroit. Tout à fait. Et voir tous les progrès qui ont été faits. Le mot de la fin avec Claire, on a dit que voilà, chez Elis, on innovait. Quelles sont les grandes innovations très rapidement dans les années à venir? Alors, on fait des innovations sur différents sujets. Bien sûr, les produits en termes de matières, pour avoir des matières toujours plus responsables, alors que ce soit du coton bio, et du café équitable, l'utilisation de matières recyclées, ou aussi, comme on en parlait tout à l'heure, sur le design des produits. Un exemple, c'est le dispenser de savon. Eh bien, souvent, vous avez le geste automatique, vous appuyez 3 fois, puis après, vous en avez plein les mains, vous mettez 2 heures à vous rincer les mains. Là, je pense que ça parle à tout le monde. Voilà. Et bien, du coup, on est passé en mode émulsion, ce qui fait que vous continuez d'appuyer 3 fois, mais vous avez finalement juste ce qu'il faut, et ça se rince plus vite, moins de consommation d'eau. Donc ça, c'est des petites choses pour, en fait, finalement, aider aussi l'utilisateur à réduire son impact. Ensuite, dans nos process, donc comme je vous disais, on a des objectifs assez importants, donc on travaille avec nos fournisseurs pour essayer de trouver des solutions, adapter nos processus industriels. Et effectivement, dès qu'on touche les processus industriels, ça devient compliqué, mais on a relevé le challenge et on le relève. Ensuite, sur la partie réparation, effectivement, là, il faut aussi encore travailler pour repousser toujours les limites, pouvoir garder les matériaux en utilisation le plus longtemps possible. Et enfin, là, vraiment, les partenariats sont clés, c'est pouvoir recycler encore davantage le textile.
Donc aujourd'hui, on recycle 65%. L'objectif, c'est 80%. Et sur les vêtements, notamment vêtements de travail, c'est compliqué. Donc il faut trouver des solutions de recyclage technique, mécanique, mais aussi chimique. Et c'est vrai que du coup, on fait pas mal d'expérimentations sur ces sujets-là. Bravo, en tout cas merci à tous les cinq, pardon parce que notre table ronde a été un peu raccourcie, donc nous allons continuer à échanger en coulisses. Merci à tous les cinq et bravo de créer des synergies entre vous, parce que c'est aussi ça le Transition Forum, c'est de permettre de créer des synergies et d'avancer plus vite. Merci à tous et maintenant on va découvrir trois startups donc, qui sont toutes jeunes, qui j'espère après seront à vos places. Nicolas Moufflet, le président de l'e-packaging, est-ce que... voilà. Est-ce qu'on reste ici? On peut rester ici, on peut... Ouais. On reste là. Nicolas peut avancer pour faire son... Après, donc je vous invite à aller vous rafraîchir. Merci. Et je vous remercie. Merci. Créatifs et inventeurs, grands artistes, grands féministes, grandes gueules, grandes cœurs... mais surtout grand râleur. Grandiloquent parfois, la fleur au fusil et le mort aux dents, mais romantique comme un Apollinaire de 20 ans. Élégant comme aucun autre, paré du plus bel apparat, sapé trop stylé, défilé au grand palais, mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour nos mouflés. Humaniste jusqu'au bout des ongles, humain jusqu'au fond des tripes, des cigales sur la langue, de l'océan sur les lèvres, du maroilles dans la bouche ou de la choucroute sous la dent. On vibre, on pleure, on rit, des six coins du pays, on respire le même vent. Pessimiste souvent, face à l'adversité comme face à l'adversaire. À tort pourtant, suffit de regarder en arrière. Supporter de la terre, amoureux de l'environnement, de nos forêts, de nos plaines, de nos mers. Bleu, blanc, rouge, mais chaque jour plus vert. On n'est pas statique, on est progressiste. On va pas se refaire, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire. On est avant-gardiste, on n'est pas coincé, on a un humour hors pair. On n'est pas de mauvaise foi, on est juste un peu paradoxal. On n'est pas carré. On est hexagonal. Deux start-up très prometteuses de cette transition écologique. Nicolas Moufflet, président de Lise Packaging. Bonjour. Bonjour. Et Irène Diaz, général manager d'EcoAlf. Hello Irène. Hello, bonjour. Donc on va vous présenter ces deux start-up qui ont retenu l'attention des membres du Transition Forum. On va commencer, Nicolas ne m'en voulait pas, mais par Irène, pour expliquer ce qu'est EcoAlf. What is EcoAlf, Irène? Well, EcoAlf is a fashion brand. That use recycled materials to create all their textile. So that's the goal. And EcoAlf has a foundation that has an interesting project to clean up the oceans in collaboration with the fishing sector. That's what I wanted to explain. Et Nicolas, vous, c'est l'emballage? Oui, c'est biosourcé, ça. Biosourcé, on m'a dit l'emballage biosourcé, attention. Hein. En fait, on s'inspire de la nature pour fabriquer des biomatériaux à partir du chanvre, du lin, de déchets. En fait, on va plutôt recycler à la base des déchets qu'on va trouver localement pour faire des bouteilles, des flacons, des pots, des gobelets. Et donc, c'est une innovation unique au monde puisqu'on est les seuls à le faire. Et donc là, si on parle d'économie circulaire, c'est plutôt une économie circulaire de la terre à la terre. On va utiliser des éléments organiques ou des minéraux, donc on travaille aussi avec des coquillages, des moules, des huîtres, etc., pour faire nos emballages qui sont biodégradables et compostables, donc il y a des certifications. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on doit lutter justement, on l'a vu, la pollution plastique, c'est vraiment un sujet important sur la pollution sur Terre et dans les océans. Et là, cette biodégradation va être tellement rapide qu'on est en train de faire des études justement pour connaître le fait que nos emballages n'iraient pas dans les océans, parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, il existe des techniques et des technologies pour... je vous ai amené un exemple, ça, c'est une gourde qu'on l'on fabrique chez nous qui va pouvoir, en quelques jours, biodégrader totalement cet emballage. Donc, avec des digesteurs, aujourd'hui, voilà, en 24 heures... Ça veut dire que votre gourde, là, qui est ici... Elle est fabriquée avec du lin, par exemple, voilà, des coproduits, on appelle ça des coproduits. Donc on va faire plutôt du recyclage. Voilà, on va travailler localement, par exemple, avec un producteur de spiritueux, il a des pépins avec ses raisins. On va les récupérer et on va faire des matériaux avec ça. Et on duplique ce modèle d'économie circulaire de la terre à la terre, donc des plantes jusqu'au compost, donc un retour à la terre, un retour au sol, et avec des émissions qui sont au moins divisées par deux par rapport à un flaconnage traditionnel, même recyclé, qui n'est d'ailleurs pas recyclable à l'infini, donc ça pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui dans ces filières de recyclage. Et qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors on a plus de 120 clients, c'est plutôt une cohérence en fait, avec des entreprises qui veulent lancer des produits cosmétiques ou agroalimentaires, bio ou au moins une image un peu plus éthique, un peu plus vertueuse. Et donc l'emballage fait partie aussi de leur image, de leur mode de commercialisation. Alors on commercialise 70% en France et puis dans des pays qui sont limitrophes à la France, mais on installe là des unités de production. Donc on fait du transfert de technologie, on vient d'installer une unité de production à l'île Maurice et là on va en installer une en Guadeloupe pour fabriquer justement sur place ces emballages comme on veut faire des circuits courts pour l'alimentation, mais on veut aussi faire des circuits courts pour fabriquer ces bouteilles. On a été là récompensé il y a quelques jours par le prix Tech for Islands et la French Tech polynésienne pour justement installer ce modèle sur les îles qui cherchent justement à éliminer cette pollution plastique traditionnelle pétrochimique. Et de quoi avez-vous besoin aujourd'hui ? Vous êtes au Transition Forum, est-ce que vous avez besoin de nouveaux clients, de vous faire connaître encore plus ? On a un premier besoin, il est politique. Je pense qu'aujourd'hui, si on a un message, c'est qu'il faudrait peut-être plus consulter les spécialistes. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet-là, pour prendre les bonnes décisions réglementaires, parce que tout est focalisé aujourd'hui sur le recyclage des plastiques. Alors moi, je dis souvent, recycler du plastique pétrochimique, c'est aussi redonner du plastique pétrochimique aux gens qui n'en veulent plus. Alors, c'est peut-être pas si judicieux que ça. Puis, à chaque boucle, on en perd à peu près 90%. Donc, c'est pas non plus très judicieux. Donc, il y a des alternatives, il faut innover. Et donc, il faut bien comprendre ces innovations. Et puis ensuite, là, on est dans une phase d'investissement. Donc, on cherche à lever de nouveau des fonds, puisqu'on l'a déjà fait auparavant. Voilà, donc ça, c'est important de faire passer le message. Oui, voilà. Irène, là aussi, il y a du recyclage pour les vêtements. It's your brand, on you wear your own brand. Take mine. Thank you. No, it's not my brand. I work at this brand, and I work at the foundation, because when you decide that you do products by using recycled materials, you usually receive many calls of people asking you, do you want my trash? I have this, I have that. Maybe you can do something. Maybe you can do a new garment with this, not? And in this period, in 2015, we had the opportunity of visiting some ports in Alicante, in the Spanish Mediterranean Sea. And we were talking about fishing nets and polystyrene and other kind of trash. And we had the opportunity of to sail with them, to go one day to fish with fishermen of Levante. And we saw with our own eyes the amount of trash that they are collecting every day accidentally, because they don't go to fish for litter. They trap litter accidentally, no? So that's how we thought, okay, it's time to action. Marine litter is a growing concern, something has to be done, what can we do from a fashion brand? And at that point we decided to create the project Upcycling the Oceans to collect the trash, well, in fact fishermen collect the trash, and we recycle it into new products, fashionable products, but not also, but not only. And it began as a very small project, like a local project in three ports in Spain. Currently, we are in 54 ports in Spain, Italy, and Greece. Currently, we are trying to replicate the project in France, too. And we have this goal of doing things in a different way, in a collaboration, in a cooperation way. And that's the way we... And what do you need in your world today? What? If you can ask something. Partnerships. Yeah, I think it has been...
said today many, many times, collaboration, partnerships, alliances. So I think, yeah, we cannot solve the problem by our own. The more we are, the better. And yeah, we understand this project as a platform to join forces. So we need, obviously, the help of the fishermen because they are the heroes of this project. But then we need support, the recyclers, associations that help us to spread the word. No, if we are not able to close the tap of marine litter, it's not about cleaning up the ocean. That's not the solution at all. Thank you so much. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Je suis désolée, le temps est très serré parce qu'il y a un vol qui doit décoller, un vol avec du biocarburant. Merci d'avoir été avec nous. Bravo pour ce que vous faites tous les deux. Et j'espère vous revoir très prochainement. Merci infiniment.